Aidez-moi, je vous en supplie. Pourquoi personne ne vient? Pour tous vos transports entre la ville et le sud. Où est ta mère? Suivez-moi! Tu vas me... Fiche-le! Pitié! Faut croire que tu aimes les coups! Aidez-moi, je t'en supplie! Va-t'en! Ce n'était pas nécessaire. Je sais me débrouiller. Quand il reviendra, il me battra avec deux fois plus de hargne. Pourquoi restez-vous avec un homme pareil? C'est ma maison et ma boutique. C'est mon travail de couturière qui a payé tout ça. Plutôt supporter ces pitreries d'ivrognes que quitter ce que j'ai bâti. Si je vous disais qu'il existe un endroit où vous pourriez vivre de votre travail, loin de lui, penseriez-vous partir? Où est le piège? Il n'y en a pas. Notre village grandissant a besoin de commerce. Vous auriez un travail et une nouvelle vie. J'irai m'assurer que ce que vous dites est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Au moins, vous n'êtes pas un monstre, comme ces gens. Tous ceux qui sont immunisés ont déjà pris la fuite. Sale pleutre. Qui êtes-vous ? Jamie Colley. Vous devez continuer vos œuvres. Personne d'autre ne le fait. En s'y mettant à deux, on arrivera peut-être à contenir cette atroce maladie. Je ferai mon possible. Je vais prêter main forte à ces médecins. Venez me trouver quand vous penserez en avoir fait assez, et nous poursuivrons le combat. Doit être présenté à la justice. Chaque habitant a un rôle à tenir. Aidez vos protecteurs à vous protéger.
extrêmement reconnaissant, monsieur. Allez-vous-en de là, misérable vermine! Allez-vous-en de là, misérable vermine! Allez, suivant! Fichez le camp, sac à puce! Fichez le camp, sac à puce! Fichez le camp, sac à puce! Allez-vous-en de là, misérable vermine! Tous! Allez! Tous! Allez! Allez! Suivant! Tous! Allez! Pourquoi venez-vous me voir? Vous n'avez encore rien fait pour combattre l'épidémie. Fichez le camp, sac à puce! Fichez le camp, sac à puce! Boost! Allez! Fichez le camp, sac à puce! Allez! Suivant! Allez-vous-en de là, misérable vermine! Boost! Allez! Allez! Du vent! Boost! Allez! Allez! Du vent! Allez-vous-en de là, misérable vermine! Boost! Monsieur, vous pouvez m'aider? Vous êtes quelqu'un de mon bien. Mon père est malade. Il a besoin d'un médecin. Partout vous pouvez ici. L'emmener? J'espère pour mon garçon que j'y survivrai. Comment l'avez-vous attrapé? Je ne sais pas. Je n'ai parlé à aucun malade. C'est un début. Continuez, je vous dirai comment régler le problème.
C'est mendiant. Vous aimez nous faire la charité, Lise. Va-t'en! Un autre amateur. Tu ne me toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Un autre amateur. On ne frappe pas ce qu'on ne peut pas voir. Continue à t'agiter. Tu ne me toucheras pas. Continue à t'agiter. Parce qu'on ne peut pas voir. Tu ne me toucheras pas. On ne frappe pas ce qu'on ne peut pas voir.
attrape pas ce qu'on ne peut pas voir. On ne frappe pas ce qu'on ne peut pas voir. Bien essayé, mais je sais que je suis dur à battre. Un autre amateur. Continue à t'agiter. Continue à t'agiter. Parce qu'on ne peut pas voir. Tu ne me toucheras pas. Il ne me touchera pas. On ne frappe pas ce qu'on ne peut pas voir. On ne frappe pas ce qu'on ne peut pas voir. Tu m'as eu.
J'imagine que tu viens de battre. Impressionnant, très impressionnant.
Haut, j'adhère. Va lui plaire. Connor. Ace, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux offrir ce couteau à Myriam. Tu veux bien venir avec moi? Bien sûr. Pourquoi traînes-tu en route? Je me sens nerveux. Je suis certain qu'elle va adorer le couteau que tu lui as fabriqué. Non, c'est idiot! Offrir un couteau à une femme, c'est vraiment stupide. C'est un objet qu'elle va apprécier et qui lui sera utile. Ah, maintenant que je l'ai fabriqué, autant le lui donner. Bonjour, Myriam. Bonjour, Norris. Bonjour, Connor. J'aimerais rester à bavarder, mais j'ai promis à Hélène un ballot de fourrure cette semaine et il me manque des peaux. Il faut que j'aille chasser sans tarder. Deux chasseurs iront plus vite qu'un seul. Je peux t'aider, si tu veux. C'est vrai? Ça m'aiderait beaucoup. Je t'ai apporté... quelque chose. Ça pourra... t'aider? Je dois vraiment y aller. Je te remercierai comme il se doit à mon retour. En attendant... Retrouve-moi à mon affût le plus au nord quand tu auras fait ta première prise. Calma.
Connor, tu peux venir m'aider ? L'heure n'est plus à la clémence. Non, ne me tue pas! Je ne reviendrai plus! Je suis navré! Je m'excuse! Je ne reviendrai plus ici! C'est juré! Si je n'avais pas eu ce couteau, cette crapule m'aurait probablement étripé. Norris a eu une bonne idée, on dirait. Ah oui. Je n'oublierai pas de le remercier comme il faut. Bonjour, Connor. J'ai laissé des rouleaux de soie dans ma vieille maison. J'y tiens beaucoup, mais mieux vaut que je ne remette pas les pieds là-bas. Quelqu'un y laisserait la vie. J'espérais que vous pourriez me les rapporter si vous avez le temps. Pardonnez-moi, puis-je en appeler à votre bonté d'offrir le gîte et le couvert à un voyageur errété ? Oh, et d'où arrivez-vous ? De par l'océan, de Londres. Un Anglais ! Rassurez-vous, je ne suis pas un homme du roi. C'est très gentil. Soyez béni. On travaille pour gagner sa vie par ici, mon vieux. Quel est votre métier ? Je transmets la parole de Dieu à ceux qui cherchent son salut. Je ne l'impose pas à ceux qui ont déjà leur croyance. Mais la couronne ne partage pas mes vues. Dieu sait que certains auraient des choses à confesser. Oli et moi regrettons l'office du dimanche. J'aimerais que Maria lise la Bible. En se cotisant tous, on pourrait bâtir une église. Vous seriez notre pasteur. Connor ? Bienvenue, révérend. Père. Père Timothy.
après-midi, Connor. Soyez bénis. Nous allons bâtir une belle église. Acceptez toute ma gratitude. Très bonne journée. Connor, le ciel soit loué.